La nostalgie des années 60 et 70 sera au rendez-vous ce mois-ci. La comédie musicale Air débarque à Québec. On est super excités, super contents de ramener ce spectacle-là. On le fait tout l'été à Montréal. La pièce est un véritable feu roulant de performance. C'est un bon divertissement pour un public averti. C'est un show qui est assez physique, ouais. Tellement c'est, physique. Ce qui est particulier, c'est que toute la distribution est sur scène tout le long du show, du début à la fin. Je vous fais un exemple. À un moment donné, on finit une chorégraphie en avant. Là, puis là, il faut que je cours. J'ai 2 secondes pour faire ça. Enfiler un manteau, rentrer dans ma Westphalia. Allez, ici. Là, je me twist de même et je suis prête à chanter. En l'amour, j'ai foi. En l'amour, je crois, oui, en l'amour. On parle de la distribution, les acteurs-chanteurs, mais il y a aussi le band qui est avec nous. On a 7 musiciens qui font le show. Donc, ils se sont présentés vraiment. Les musiciens, comme ils ont squatté aussi la place, ils se sont installés, ils ont chacun leur spot pour faire le show. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah oui, vas-y, allez. OK. Et avant même la première médiatique à Québec, la pièce a vendu plus de 40 000 billets. Le coup de foudre, ça a été les jeunes pour ce spectacle. Encore plus que les boomers. Les jeunes entre 15 et 25 ans adorent le spectacle. Et ça, je ne l'avais pas vu venir du tout, du tout. C'est une grosse surprise pour moi. This is the calling of the end of Aquarius. Air est présenté jusqu'au 7 janvier à la salle Albert-Rousseau. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Aquarius.